Qu'est-ce qui a pu pousser Roland Champagnat à accuser Gabriel Baudry, le notaire de la ville, de l'enlèvement de Sabine ? Gabriel Baudry a été innocenté par le retour de la jeune fugueuse. Il a porté plainte contre Roland Champagnat, mais ne s'est pas constitué partie civile. Roland est poursuivi par le ministère public pour dénonciation calomnieuse. Il a choisi pour avocat Maître Marie-Christine Jacquet. Mesdames et messieurs, le tribunal. Le tribunal appelle l'affaire Champagnat, ministère public et Baudry. Merci, asseyez-vous. Monsieur Champagnat, voulez-vous vous avancer à la barre, je vous prie, et décliner vos noms, prénoms, âge, profession. Roland Champagnat, j'ai 42 ans, je suis kinésithérapeute. Quelle est votre situation de famille ? Marié, un enfant. Bien. Monsieur Champagnat, vous êtes poursuivi par le ministère public pour dénonciation calomnieuse. Les faits qui vous sont reprochés ont été commis dans le cadre d'une enquête sur la disparition de Sabine Nollet, âgée de 17 ans. Vos déclarations ont abouti à l'arrestation de monsieur Gabriel Baudry. Or, la jeune fille a réapparu quelques semaines plus tard. Il s'agissait en effet d'une fugue. Reconnaissez-vous les faits ? Non, absolument pas, non. Monsieur le Président, les délits commis par Roland Champagnat ont entraîné l'inculpation de Gabriel Baudry. Or, cette inculpation s'est avérée être une erreur tout à fait regrettable. En vertu de l'article 373 du Code pénal, vous risquez une peine de 6 mois à 5 ans de prison et une amende de 500 à 20 000 francs, monsieur. Monsieur Baudry a porté plainte, mais a décidé de ne pas se porter partie civile, n'est-ce pas, monsieur le procureur ? En effet, monsieur le Président, mais le ministère public a maintenu les poursuites à l'encontre de Roland Champagnat. Bien, reprenons au début, monsieur Champagnat. Le 15 mai 1990, à 21h15, je rentrais à pied à mon domicile. Je venais de dépasser le panneau de sortie de Bourges lorsque j'ai aperçu, à environ 50 mètres devant moi, Sabine Nollet. Monsieur Champagnat, je sais que vous avez déjà raconté cette histoire plusieurs fois, mais je vous prierai de changer de ton. Monsieur le Président, je vous prie d'excuser mon client. Mais un témoignage porté en toute bonne foi, le conduit en correctionnel, alors... Oui, passons. Bon, donc vous avez reconnu Sabine Nollet à 50 mètres, vous la connaissiez donc bien. Oui. Et que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, j'ai vu la voiture, le cabriolet de Gabriel Baudry s'arrêter à la hauteur de Sabine Nollet. C'est un notaire de Bourges, un type de 35 ans, qui ne sort qu'avec des gamines mineures. Enfin, vous voyez le tableau. Oui, oui, oui. Que s'est-il passé ? Il est descendu de sa voiture, précipitamment, il s'est rué sur elle en criant, il l'a frappée, puis il l'a poussée de force dans sa voiture. Et il a redémarré en quatrième vitesse. Monsieur le Président, le prévenu nous présente une version des faits habilement déformé. Nous le savons par Sabine Nollet elle-même. Mais non, je ne vous dis que ce que j'ai vu. À vous écouter, vous avez assisté à un enlèvement. Mais pourquoi n'êtes-vous pas intervenu alors ? J'ai cru que c'était une dispute entre amoureux. Entre amoureux ? Oui. Mais oui. Mais ils couchaient ensemble et ils se disputaient souvent. Et comment étiez-vous au courant de leur dispute ? Mais tout Bourges était au courant des disputes entre cette gosse et le petit notaire fêtard. Mais comment osez-vous parler de cet homme ? Cet homme que vous avez fait enfermer, en plus. Et c'est vrai, vous avez raison. Monsieur Baudry est notaire, et donc un homme respectable. Et moi, je sais qu'il a un petit défaut. Il frappe les gamines qui sortent avec lui. Comment le savez-vous ? Sabine avait souvent le corps couvert de bleus. Et je sais que c'est Baudry qui les faisait. Des bleus sur le corps ? Oui. Et quels étaient vos rapports avec cette jeune fille ? Mais des rapports du kinésithérapeute à patiente, je soignais Sabine pour une scoliose. Oui. Et au cours de ses séances de rééducation, elle me parlait souvent de ses petits problèmes de cœur. Oui. Bien, vous aviez donc pris cette dispute pour une dispute d'amoureux. Oui. Et alors ? Eh bien, 3 jours plus tard, Sabine n'est pas venue à un de ses rendez-vous. J'ai téléphoné à ses parents et ses parents étaient très inquiets. Sabine avait disparu depuis le soir de la dispute. Et poursuivez. Eh bien alors, j'ai fait mon devoir de citoyen. Je suis allé à la police, et là, on m'a amené devant le commissaire Pétrel. Que lui avez-vous dit ? Mais ce que je vous ai déjà dit. Le 15 mai 1990... Votre petit numéro ne m'amuse absolument pas, monsieur Champagnat. Autant vous le dire tout de suite. Monsieur Champagnat éprouve un grand plaisir, apparemment, à insulter la magistrature, monsieur le Président. Mais c'est bien la dénonciation de monsieur Champagnat qui a entraîné l'inculpation de monsieur Baudry. Tout à fait, monsieur le Président. Je proteste, monsieur le Président. Mon client n'est pas responsable des conséquences de sa déposition.
C'est tout de même le commissaire Pétrel qui a fait inculper Gabriel Baudry. Eh oui, il était très intéressé par ce que je lui ai raconté. Très intéressé. Il s'est mis à s'agiter, à passer des coups de fil, à parler de mandat d'amener contre ce salopard, ce dégueulasse de Baudry, qui draguait les gamines à la sortie des lycées. Bien, je vois que l'on vous accuse d'avoir fabriqué une fausse preuve. Vous auriez mis une écharpe appartenant à Sabine Nollet sous le siège avant de la voiture de M. Baudry. Ridicule, pourquoi j'aurais fait ça? Monsieur le Président, les accusations que l'on porte contre mon client sont tout simplement stupéfiantes. Enfin, il n'a aucun motif de vouloir du mal à M. Baudry. Monsieur le Président, puisque le prévenu persiste à nier les faits, nous remettons à plus tard l'exposé des preuves qu'il condamne. Avez-vous autre chose à ajouter? Non. Bien, je vous remercie, Monsieur Champagnat. Vous pouvez regagner votre place. Huissier, faites appeler le premier témoin, je vous prie. Le tribunal appelle Monsieur Paul Pétrel, cité par le ministère public. Bonjour, monsieur. Veuillez donner vos noms, prénoms, âge, profession, je vous prie. Pétrel, Paul, 41 ans, commissaire de police. Quelle est votre situation de famille? Divorcé. Par vos fonctions, vous êtes assermenté. Je vous dispenserai donc de prêter serment. Je vous écoute, monsieur. J'ai été amené à faire une enquête sur la disparition de Sabine Nollet. Et c'est là que j'ai rencontré Roland Champagnat. Rencontre qui m'a valu d'être muté à Tourcoing. Oui, mais monsieur Pétrel, pour connaître les responsabilités de chacun, je suis obligé de vous demander dans quelles conditions s'est déroulée votre enquête. Le 16 mai, les parents de Sabine Nollet sont venus au commissariat signaler la disparition de leur fille. Des fugues d'adolescence arrivent régulièrement, je n'étais pas très inquiet. Mais j'ai quand même fait passer un avis de recherche nationale. Et cela a donné des résultats? Aucun. La fille avait disparu depuis 3 jours lorsque ce monsieur est venu nous raconter ses fariboles. Que vous vous êtes empressé de croire! Vous auriez été dans mon bureau, vous auriez cru comme moi que Sabine avait été enlevée. Monsieur Pétrel, d'après Monsieur Champagnat, vous auriez réagi avec beaucoup de vigueur et d'empressement à sa déposition. C'est le nom de Baudry qui l'a fait réagir. C'était comme une étoffe rouge devant un taureau. Et pourquoi? Baudry était un type qui avait déjà eu des problèmes avec des mineurs. Mais comme personne n'avait jamais porté plainte, je n'avais jamais pu le coincer. Soyez plus précis. Ça lui était arrivé d'en frapper. C'est donc sur les affirmations de Roland Champagnat que vous avez orienté vos recherches sur la disparition de Sabine Nollet vers M. Baudry? Tout à fait. Je suis allé le trouver à son domicile. Il a d'ailleurs reconnu avoir pris Sabine le 15 au soir sur le bord de la route juste à la sortie de Bourges. Il a également reconnu l'avoir frappée et avoir poussé Sabine de force dans sa voiture. Il a donc confirmé les dires de mon client. Vous oubliez que Champagnat avait précisé avoir vu Baudry saisir Sabine par son écharpe. Monsieur le Président, voilà en quoi consiste la dénonciation calomnieuse de Roland Champagnat. Enfin, je n'ai pas rêvé, je l'ai bien vu, cette écharpe. Sabine Nollet est formelle. Elle ne portait pas d'écharpe ce soir-là. Enfin, comment Sabine peut-elle être sûre de ne pas porter d'écharpe ce soir-là? Enfin, cela remonte à plus de 6 mois. Monsieur Pétrel, pourquoi cette écharpe est-elle si importante? Parce que quand j'ai jeté un coup d'œil au cabriolet de Baudry, j'ai retrouvé l'écharpe cachée sous le siège avant. Elle était pleine de sang. J'ai cru que je tenais ma preuve, mais c'était une fausse preuve. Et comment cela? Parce que c'est Champagnat qui a mis l'écharpe dans le cabriolet après l'avoir tachée de sang. C'est absurde. Comment mon client aurait-il pu entrer en possession de cette écharpe? Il a pu la subtiliser à Sabine pendant une de ses séances de kinésie. Quelle imagination! Et comment aurait-il pu placer cette écharpe dans la voiture de M. Baudry? Il connaissait la voiture de Gabriel Baudry, il savait que celui-ci ne la fermait jamais à clé. Il a voulu me faire croire que Baudry était responsable de la disparition de Sabine et je suis tombé dans le piège. Je proteste! Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez! Maître, s'il vous plaît. J'avais 3 éléments. La réputation de Baudry, la déposition de Champagnat et l'écharpe de Sabine dans le cabriolet. Je n'avais plus qu'une chose à faire, demander au juge d'instruction d'inculper Baudry. Oui, je comprends. Et c'est ce qu'il a fait. Malheureusement, 15 jours plus tard, alors que Baudry était en détention préventive, Sabine est revenue. D'où? De Barcelone. Sa disparition, c'était une fugue. Elle était simplement chez des amis. Je vois. Vous imaginez le scandale? Un notable en prison pour rien. Il fallait quelqu'un pour porter le chapeau, alors on m'a muté. Oh, monsieur Pétrel, n'exagérons rien. Monsieur Baudry ne s'est pas porté partie civile. Il a seulement porté plainte pour le principe. Il ne s'est pas porté partie civile parce qu'il avait peur du scandale par rapport à Sabine. Bien. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter, monsieur? Monsieur le Président, je ne sais pas pourquoi Champagnat a fait tout ça. Était-ce pour se moquer de moi, de la police, de Baudry, je ne sais pas. Il y a une chose certaine.
Il a délibérément dénoncé M. Baudry et fabriqué une fausse preuve. Je vous remercie, M. Pétrel. Vous pouvez aller vous asseoir dans la salle. Huissier, faites appeler le second témoin, je vous prie. Le tribunal appelle à présent Sabine Nollet, citée par le ministère public. Bonjour, mademoiselle. Veuillez donner vos noms, prénoms, âge, profession. Sabine Nollet, je viens juste d'avoir 18 ans, je suis lycéenne. Quelle est votre situation de famille ? Célibataire. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Bien. Mademoiselle, à l'instruction, vous avez déclaré que le 15 mai dernier, vous avez fait une fugue. Ouais, je m'étais encore disputée avec mes parents à cause de Gabriel. Ce coup-là, j'en ai eu marre, j'ai pris mon sac et je suis partie. Comment ? À pied. J'étais tellement énervée que je savais pas où j'allais. C'est alors que vous avez rencontré M. Baudry ? Ouais, à la sortie de Bourges. Il passait avec sa voiture. Il m'a vu, il a pilé. Et que s'est-il passé ? Il m'a demandé où j'allais. J'étais en colère, je lui ai pas répondu. Alors il est descendu de sa caisse et s'est mis devant moi. J'ai voulu l'éviter et il m'a crié « Tu vas me répondre ?» Vous vous êtes battu ? Il m'a mis deux claques. Pourtant, vous êtes bien montée dans sa voiture. Je suis montée parce qu'il m'a poussée. Donc à 50 mètres, on peut comprendre que mon client ait pris cela pour un enlèvement. Mademoiselle, votre dispute était-elle assez violente pour qu'on la prenne pour un enlèvement ? Oui. Quand Gabriel vous bouscule, c'est pas de main morte. Et après ? Dans la voiture, on a continué à s'engueuler. Heureusement, j'ai pu sauter un stop. Je suis partie en courant, en plein dans les champs. Et ensuite ? J'ai attendu qu'ils repartent pour revenir sur la route, et là, j'étais prise en stop par des Allemands qui m'ont emmenée en Espagne. Mademoiselle, portiez-vous une écharpe ce soir-là ? Non. Enfin, vous étiez bouleversée par votre dispute avec vos parents. Vous ne pouvez pas être sûre. Vous inquiétez pas, j'en suis sûre. Je tenais beaucoup à mon écharpe et en faisant mon sac chez mes parents, je l'avais cherché, je l'avais pas trouvé. Vous rappelez-vous, vous l'aviez perdu ? Ouais, dans le cabinet de M. Champagnat. J'étais le voir à la veille de mon départ. Bon, Sabine, qu'est-ce que tu racontes ? Tu te trompes ? Mais pas du tout, je suis sûre que je l'avais quand je suis venue l'après-midi au rendez-vous. Après, je suis rentrée directement chez mes parents. Roland Champagnat avait l'écharpe dans son cabinet. Il y a donc que lui qui ait pu mettre l'écharpe dans le cabriolet. Enfin, tout ça est ridicule ! Comment mon client aurait-il pu savoir que Sabine Nollet ne reviendrait pas les jours suivants à Bourges pour le démentir ? À la veille de mon départ, je lui avais dit que je pourrais plus venir parce que je partais le lendemain pour Barcelone. Vous en êtes sûr ? Oui. Et vous ne l'aviez dit à personne d'autre ? Non, et surtout pas à mes parents, ni à Gabriel. Bien. D'autres questions ? Non, Monsieur le Président. Je vous remercie, vous pouvez aller vous asseoir dans la salle. Monsieur Champagnat, voulez-vous revenir à la barre, je vous prie ? Vous êtes conscient que de lourds soupçons pèsent sur vous ? Je n'ai rien de plus à ajouter. Monsieur, cette comédie a assez duré. Il serait grand temps que vous nous disiez enfin la vérité. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous ayez monté de toutes pièces cette histoire d'enlèvement. Monsieur, moi je peux vous expliquer. Monsieur Champagnat, vous pouvez regagner votre place. Monsieur, si votre témoignage peut éclairer ce tribunal, je vous prie de vous avancer vers la barre. Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge, profession. Charles Ribou, 22 ans, je suis informaticien programmeur. Comme vous avez assisté au débat, je ne vous ferai donc pas prêter serment. Je vous écoute, monsieur. Eh bien, je pense que mon beau-père a voulu me venger. Je ne comprends pas. Voyez-vous, si je boite aujourd'hui, c'est de la faute du commissaire Pétrel. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je ne vous connais même pas. C'est quand même vous qui m'avez tiré dessus et qui m'avez sectionné le nerf sciatique. Je ne vous suis toujours pas très bien. Asseyez-vous, monsieur Pétrel, et reprenons le début. Vous seriez le beau-fils de monsieur Champagnat ? Oui, il s'est marié avec ma mère quand j'avais 6 ans. Mais il s'est toujours occupé de moi comme si j'étais son propre fils. Et quel rapport avec cette affaire ? Eh bien, depuis tout petit, j'ai toujours couru très vite. Et Roland voulait faire de moi un champion d'athlétisme. Il m'entraînait. Il y a 3 ans, j'étais devenu un espoir du 400 mètres haies. Oui. Mais monsieur Pétrel, comment l'avez-vous rencontré ? C'est ma jambe qui a rencontré une de ses balles. C'est un tireur rapide. Pas très précis, mais rapide. Oui, je vous écoute. Eh bien, il y a 3 ans, je sortais d'un centre commercial tranquillement, quand 2 individus armés sont arrivés en courant près de moi. Au même moment, j'ai senti un choc dans ma cuisse. Je suis tombé, j'ai regardé ma jambe et...
Il y avait un gros trou qui saignait et ça me brûlait. Et au-dessus de moi, j'ai vu le commissaire Pétrel qui tenait un revolver à la main. Il a dit quelque chose comme « et merde » et j'ai entendu les sirènes. Poursuivez, monsieur Ribaud. Eh bien, je me suis réveillé à l'hôpital. Au début, j'ai cru que j'avais seulement la jambe cassée. Mais en fait, la balle avait sectionné le nerf sciatique. Et ce salaud s'en est foutu. Jamais, jamais il ne s'est inquiété de Charles. Monsieur, s'il vous plaît. Heureusement que Roland était là pour m'encourager. Il n'arrêtait pas de me dire « Ne t'inquiète pas, on va te retaper. » On m'a fait deux opérations pour rien. J'avais la jambe paralysée à vie. Pour moi, courir, c'était foutu. Je n'étais pas au courant. Je vous avais vu partir en ambulance. Et c'est pour ça que Roland vous en veut. Vous n'êtes même pas venu prendre de nouvelles. Vous n'avez pas fait le moindre petit geste. Mais je pensais que vous en étiez sorti. Bien, monsieur, je vous remercie. Vous pouvez regagner votre place. Voulez-vous revenir à la barre, monsieur Champagnat ? Est-il exact que vous ayez cherché à vous venger du commissaire Pétrel ? Oui, c'est un salaud et un crétin. Charles aurait très bien pu prendre cette balle en plein cœur. Mais l'accident a eu lieu il y a 3 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? On attend quand on pense qu'on peut faire quelque chose. Moi, je n'attendais pas. Je ne pouvais rien faire légalement contre Pétrel. C'est Sabine qui m'a donné l'idée involontairement, avec son histoire d'amour et son départ pour Barcelone. C'est donc vous qui avez taché de sang l'écharpe de Sabine Nollet et l'avez cachée dans la voiture de M. Baudry ? Oui, c'était facile. Enfin, pour assouvir votre vengeance, vous avez été jusqu'à faire enfermer un innocent ? De toute façon, j'avais l'intention de révéler que Sabine était partie à Barcelone après quelques semaines. Mais Sabine est rentrée plus tôt que prévu. Alors, je n'ai rien pu faire. Tout ce que je voulais, c'était humilier Pétrel. Je ne regrette rien. Vous pouvez regagner votre place, monsieur. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Cette affaire est doublement grave. Non seulement le prévenu a voulu se faire justice lui-même, mais il l'a fait en portant gravement atteinte au commissaire de police dans l'exercice de ses fonctions. Pour arriver à ses fins, Roland Champagnat n'a pas hésité à fabriquer une fausse preuve. Il n'a pas hésité à se servir de Gabriel Baudry, à le faire mettre en prison, à entacher gravement sa réputation. Mais il y a pire. Le commissaire Pétrel a cru que Sabine Nollet avait disparu, qu'elle pouvait avoir été enlevée, puis étranglée par Gabriel Baudry. Il n'était pas le seul. Imaginons l'inquiétude mortelle de la famille Nollet pendant ces 15 interminables jours. Quels que soient les motifs invoqués par Roland Champagnat, rien ne saurait le justifier. Il est donc coupable de dénonciation calomnieuse. En conséquence, et en vertu de l'article 373 du Code pénal, je requiers contre Roland Champagnat une peine de 6 mois de prison, dont 1 mois ferme, et une amende pénale de 10 000 francs. Je vous remercie, monsieur le procureur. Maître Jacquet, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Eh bien, c'est vrai, mon client est responsable. Mais pourquoi est-il responsable ? Parce qu'il y a 3 ans, il a vu son beau-fils brisé dans sa chair et dans ses espoirs par une balle perdue du commissaire Pétrel. Parce qu'il a vu celui-ci insensible à la douleur, inconscient des dégâts occasionnés par sa maladresse criminelle. Qui ne pourrait comprendre la rancune qui, depuis 3 ans, ronge le cœur de Roland Champagnat ? Mais, malgré cette rancune, sans un hasard néfaste, jamais il n'aurait pensé à se venger. C'est ce hasard néfaste qui l'a placé un soir à la sortie de Bourges, au moment où Gabriel Baudry forçait Sabine Nollet à monter dans sa voiture. C'est ce hasard néfaste qui a fait qu'elle avait oublié son écharpe chez lui. Roland Champagnat n'a pas mesuré la gravité de sa mise en scène. Il a voulu humilier le commissaire Pétrel, le ridiculiser en le faisant suivre une fausse piste. Les choses sont allés un peu trop loin. Et mon client a été pris dans un engrenage. Mais n'oublions pas qu'au départ de cet engrenage, il y a la souffrance de mon client après l'accident de son beau-fils. C'est pourquoi, monsieur le président, je vous demande de lui accorder les circonstances atténuantes. Je vous remercie, maître.
Le tribunal se retire pour délibérer. L'audience est suspendue. Charles Riboud, le beau-fils de Roland Champagnat, vient de faire basculer le procès. Nous avons maintenant la certitude que Roland Champagnat est coupable et nous savons pourquoi il a commis le délit pour lequel le ministère public le poursuit. Ces raisons rendront-elles le juge Garonne indulgent ? Il va rendre sa décision. Bien, mesdames et messieurs le tribunal, dans l'affaire Champagnat, ministère public Baudry, le tribunal rend sa décision. Attendu que Roland Champagnat s'est rendu spontanément au commissariat pour déclarer avoir vu Gabriel Baudry tirer Sabine Nollet par son écharpe, alors que c'était faux. Attendu que M. Champagnat a fabriqué une fausse preuve en plaçant l'écharpe de Sabine Nollet sous le siège avant de la voiture de M. Baudry, attendu que Roland Champagnat a agi dans le but de nuire au commissaire Pétrel et à M. Baudry, il y a bien eu dénonciation mensongère avec intention malveillante. En conséquence, le tribunal reconnaît M. Champagnat coupable de dénonciation calomnieuse et le condamne à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 20 000 francs. Monsieur Champagnat, l'incident qui a conduit votre beau-fils à cette blessure est certes regrettable, mais notre société ne peut accepter en aucun cas une vengeance personnelle. L'audience est levée.